des étoiles, épisode 2. Peur. Allez, venez voir. Apollon, c'est pas le plus important. On doit toutes les surveiller. Arrêtez-vous! Lui, là-bas, il me dit quelque chose. Orion? Il me semble que c'est toi, Zeus, qu'il a mis dans le ciel. Oui, mais on en a mis beaucoup. Se souvenir de tout, c'est toujours compliqué. Oui, je m'en souviens. C'est un homme brillant. Il saura survivre. Oh non. Le scorpion doit être caché quelque part. Dans l'ombre, ou là. On ne doit pas rester là. Il va nous trouver. Je le trouverai avant qu'il nous trouve. Ne t'inquiète pas, Sirius. Nous allons y arriver. Surmonter cet obstacle. Il ne nous aura pas. Regardez-le brandir son arc comme la vaillante Artémis le ferait. Peu importe, venez voir le corbeau. Si on met trop de temps, il va réussir à voler avant qu'on l'atteigne. Oui, on a compris, on arrive. Continuez sans moi, il faut que j'aille voir quelque chose. Où est-ce qu'elles sont déjà? Ah, voilà Draco. Elles ne doivent pas être loin. Là, la grande ours. Alors, Callisto, ça va? Pas trop étourdi? Wow! Où est-ce que je suis? T'es en retard. Les autres se sont déjà posé cette question. Est-ce que... Oh non! Je suis encore une ours! Oui, évidemment. Pourquoi je t'aurais rendu ton apparence? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'étais si belle avant. Et ce lieu, c'est si grand, si sombre. Pas plus débrouillarde qu'avant. Et tant mieux, elle ne mérite pas une vie facile. Là! Regardez-le! Allez, je peux y arriver! C'est tellement drôle! Vous riez pas? C'est drôle, mais pas au point de rire autant. C'est juste un corbeau qui n'arrive pas à s'envoler. Non, c'est pas juste un corbeau. C'est un corbeau qui m'a pas rapporté l'eau que je lui avais demandé. Donc là, il est sur le dos du nitre que j'ai trouvé, et jamais il atteindra cette coupe remplie d'eau là-bas. Il faut que j'y arrive! Sinon, quoi déjà? Le lac, de l'eau et un lidre! Oh, il va m'attraper! Je suis fou, faut que j'arrive à m'envoler! Ah, voilà. Là, ça devient intéressant. De l'enjeu. À demain pour Retour impossible. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.